Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Dans cette leçon, nous allons voir les panneaux de signalisation routière au Royaume-Uni. Dans la prochaine leçon, on va voir les panneaux aux États-Unis. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le Royaume-Uni. Conduire au Royaume-Uni veut dire que l'on va conduire à gauche. Certaines personnes préfèrent prendre leur propre voiture, car elles savent où se trouvent les clignotants, les essuie-glaces, etc. D'autres préfèrent louer une voiture là-bas, pour avoir le volant à droite. Le conducteur étant au centre de la route, ce sera plus facile pour dépasser un tracteur sur les petites routes. Dans tous les cas, vous devrez connaître les panneaux de signalisation routière. Beaucoup de panneaux routiers sont très proches de ceux que nous avons en France. D'autres sont un peu différents. Les panneaux qui suivent ne sont bien sûr que des exemples. Mais voici quelques-uns que l'on peut voir, dont certains ne se trouvent pas en France. Commençons avec les obligations. Orders. Donc le premier panneau est Stop. Ça veut dire stop. Et oui, c'est pareil dans les deux langues. Ensuite, on a le panneau give way. Give way, ça veut dire céder le passage. Mais faites attention à bien rouler à gauche après avoir tourné. Après, on a no overtaking. Ça veut dire interdiction de dépasser. Dans le même genre, on a no overtaking for vehicles over 3.5 tons. Ça veut dire interdiction de dépasser pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Ensuite, il y a le end of no overtaking. C'est la fin d'interdiction de dépasser. Et pareil pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Après, voyons ce panneau-ci. Ça veut dire no entry, au sens interdit. On peut souvent voir ces panneaux-ci. Ça veut dire one way street. C'est une rue à sens unique. Après, on a ce panneau-ci. Ça veut dire oncoming vehicles have priority. Les véhicules venant d'en face ont la priorité. Dans l'autre sens, on verra un panneau comme celui-ci. Si on voit ce panneau-ci, ça veut dire « Vehicles must turn right ahead ». Les véhicules devront bientôt tourner à droite. Ce panneau existe aussi pour les obligations de tourner à gauche ou d'aller tout droit. Maintenant, on a les limitations de vitesse, qui se dit speed limits en anglais. Un rappel, un panneau de limitation de vitesse exprime la vitesse en miles, donc miles par heure. Donc un mile est équivalent à 1609 mètres. Au Royaume-Uni, l'équivalent d'un panneau sur rappel est un repeater sign, qui est visiblement plus petit que le panneau se trouvant en début de zone. À savoir que la vitesse maximale au Royaume-Uni sur les autoroutes est de 70 miles par heure, soit environ 113 km par heure. Voyons maintenant les panneaux qui signalent un danger, un warning sign. Ce panneau-ci, ça veut dire cattle crossing, ou la traversée de bétail. D'autres versions de ce panneau existent pour d'autres catégories d'animaux. On verra parfois en rase campagne un panneau triangulaire avec les mots cattle grid. C'est une barrière canadienne. C'est une grille dans la rue qui permet aux véhicules de passer, mais qui empêche le passage d'animaux. On peut voir des cattle grids, par exemple, autour des grands parcs nationaux. Ce panneau-ci, ça veut dire un carrefour, et crossroads.
Et ce panneau aussi veut dire double bend. The first is to the left. Donc ça veut dire qu'il y a une succession de virages, donc le premier est à gauche. Ce panneau est inversé, bien sûr, quand le premier virage est à droite. Voyons maintenant ce panneau-ci. En anglais, ça veut dire dual carriageway ends. Donc, la fin d'une route à quatre voies. Le prochain panneau, junction on a bend, veut dire qu'il y a une intersection sur un virage. Bien sûr, c'est inversé si le virage est à gauche. Admettons, le temps n'est souvent pas terrible en Angleterre. Donc, on voit souvent ces panneaux-ci. Et ça signale qu'il y a du fog ou de brouillard. Un tel panneau se trouve souvent sur les motorways, les autoroutes, et peut également nous prévenir de black ice, du verglas. Le prochain panneau veut dire loose chippings. Ça veut dire des gravillons. Ce panneau-ci veut dire roadworks ou travaux. On peut également voir un texte comme men at work, donc les hommes au travail. Celui-ci veut dire carrefour en bayonnette. En anglais, ça veut dire staggered junction. Si on voit un panneau comme celui-ci, ça veut dire qu'il y a une montée, un uphill gradient. Dans cet exemple, pour 100 mètres parcourus, on monte 12 mètres au niveau d'altitude. Bien sûr, c'est le contraire pour une descente. Et on va terminer avec quelques d'autres panneaux, some other signs. Si on voit un tel panneau, ça veut dire le début et fin de travaux, souvent sur les autoroutes. Donc, the start and end of roadworks. Comme on peut voir, la durée en distance et en temps peut aussi être indiquée. On voit aussi que c'est écrit delays possible. Ça veut dire qu'il y a un risque de retardement. On ne va pas être capable de rouler aussi vite que d'habitude. Souvent, on voit a no through road sign. Ça veut dire un panneau qui signale une rue sans issue. Au Royaume-Uni, on peut aussi voir la mention cul-de-sac pour désigner une rue sans issue. Et voici un panneau qu'on connaît tous très bien. C'est un panneau radar ou speed cameras. Parfois, on verra un panneau avec la phrase average speed check. Donc, c'est une zone où notre vitesse moyenne est calculée. Si on voit un panneau où c'est écrit stop when lights show, ça veut dire qu'il faut s'arrêter quand les feux sont allumés. On voit un panneau comme celui-ci au level crossings, les passages à niveau, ou devant une caserne de pompiers, par exemple. Et les traffic lights, les feux tricolores. Notons l'ordre des couleurs. Outre-Manche, les feux passent de rouge à rouge et orange, et ensuite au vert. Quand on voit les feux au rouge et orange, on doit toujours être à l'arrêt. Mais on peut préparer le démarrage. Après le vert, les feux passent au orange uniquement. Ça veut dire qu'il faut commencer à s'arrêter. Parce qu'après, ça passe au rouge. Et voilà tout le monde. J'espère que vous avez trouvé cette petite leçon utile. If you liked it, please give us a thumbs up and subscribe. And I will be back for another lesson very soon. Take care. Bye bye.